Retrouver ses ancêtres, créer un arbre généalogique, c'est ce que propose la médiathèque Espace Paul Langevin, un vendredi par mois jusqu'en avril. Toutefois, on ne sait pas toujours où commencer, où trouver les informations. Alors pour guider et accompagner les participants, la médiathèque a fait appel à André Bonaz et Gilbert Giroux, deux bénévoles formés aux recherches généalogiques. Il faut récolter tous les documents que vous pouvez. Il ne faut négliger aucun des documents que vous pouvez avoir sur votre famille. Registre paroissiaux, je peux chercher ce que j'ai envie. Patience et méthode sont nécessaires pour se plonger dans l'histoire familiale. Parfois même, c'est à l'étranger qu'il faut aller chercher des informations. État civil, recensement, archives militaires, registres paroissiaux, de nombreux points de départ sont possibles pour remonter le temps de notre histoire familiale, qui parfois s'avère surprenante. Les prochains ateliers auront lieu toujours à la médiathèque Espace Paul Langevin, les vendredis 4 mars et 1er avril, de 14h30 à 16h, par groupe de 6 personnes. Pour participer, inscrivez-vous en appelant les 04 76 42 76 88 et n'oubliez pas d'apporter avec vous un livret de famille ou tout autre document en lien avec la recherche des origines. C'est mignon et mariage, ces deux-là, du père et de la mère, du grand-père et de la grand-mère.